qui comme chez Tom. Vous me demandez ce que c'est ça à chaque fois qu'il dépasse. Donc en fait, c'est mes... Hello tout le monde. On s'assoit puis on monte. Et hier, je sais pas pourquoi, on a dû prendre un tire-fesse à un moment donné. Et du coup, c'était une catastrophe, ne me jugez pas. J'ai posté sur TikTok, c'était un grand moment. D'ailleurs, j'ai trop mal au dos, mais c'est pas grave. Donc, voilà, voilou. Aujourd'hui, nous allons... Ah, je me suis pris la main, la porte, la chaise, la table. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça, un tire-fesse? Donc voilà, aujourd'hui, nous allons faire un petit shooting. Et puis voilà, on va faire la luge avec les enfants, on va partir faire un peu de luge. Et j'ai pas pris de leçon de ski pour Milan aujourd'hui, j'ai envie qu'il voilà, il fasse un peu ce qu'il a envie, qu'il joue, qu'il kiffe. Donc voilà les gars, c'est trop bien d'être au ski. Ah, je me suis pris un fil. Regardez, non, je mens pas, j'ai failli tout casser. C'est une catastrophe ce matin, qu'est-ce qui se passe? Les étoiles ne sont pas avec nous, on va encore faire une chute. Tu parles super vite. Putain. Ouais, j'ai une formation de animateur radio. Ah ouais, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur le Snapchat. J'ai pas l'inspiration. Tu faisais pas la même tête quand t'as perdu ton téléphone hier, hein? Ouais, oh là là. Oh, merci à tous pour tous vos messages que vous m'avez envoyés sur mon TikTok. Elle est folle aujourd'hui. Tout le monde m'a dit, t'as retrouvé ton téléphone? Oui, j'ai retrouvé mon téléphone. Un moniteur très sympathique me l'a rapporté. Heureusement qu'il supporte l'eau parce qu'il est... C'était dans un état. Ouais, mais c'était au poteau numéro 5. Je sais pas